scandale là, on parle avec lui, et comme si et staff de Achita, monsieur devant nous tout, a posé la question, monsieur a répondu, n'a prendre note pour nous garder qui niveau implication avant nous prendre décision ça compte. Bon oui, moi-même moi intéressé Smith pour me dire écoutez, ma situation. Comme moi perspicace en pile en politique, moi vois côté nous aller. Je dis monsieur pas gagne aucune façon qu'à sortir là. Plus ça durer, plus ça plus difficile pour vous, plus vous pouvez en bas projecteur, donc plus vous paraît tout le monde qui, comme syndicat, impliqué dans la question. Oui. Je dis à mon parler là, je ne sais pas si Smith lui-même, son nègre qui parlerait de l'autre, son nègre, faut 100 millions de gouttes. C'est monsieur non mauvais, garnison, mauvais compagnie, tombille, non mauvais lait, non mauvais en droit, etc. Le fait, monsieur, je suis là. Gonti alliance. Comme si une alliance qui fait à une même CPO vraiment son alliance malsaine. Et bien tout, oui, c'est ça qui passe Smith, oui. Ouais. Smith prend un, vous comprenez, un bail qui arrive, c'est-à-dire, j'en lié avec un nègre, un naïo. Je suis certain que l'autre monde ne s'est pas privé Smith. Monsieur, il y a une naïveté, faut nous présenter comme ça. Naïf, qui ne peut pas suivre à réalité. Zon nèg la qui a réfléchi, il a passé mes lanternes. Mais on pensait que lui pas comprendre dynamique. Et puis il a porté le nom. Parce que être intellectuel n'est pas suffisant en Haïti pour comprendre la politique. Oui, parce que moi pensais que monsieur Gagnon est dans l'environnement, de monde que le fait confiance. Il était décidé de venir là avec yo, etc. Qui mettait monsieur dans la situation. Et d'être attiré attention monsieur depuis au début. Ah bon? Oui, tu dis monsieur côté. Nous attirer attention sous présence dans l'environnement de monde qui est capable de mettre dans le problème. On ne peut pas avoir conscience tranquille si depuis au début, nous pas attirer attention Smith sur des monde qui dans l'environnement qui ouais transition comme une opportunité pour enrichir. Et tout le monde connaît son secret de polichinelle. De monde ça aucun environnement monsieur vini avec yo en Haïti moi-même et de l'autre on a aidé nous prendre distance avec yo non et bon me dire mal scoop gain des bails qui rive lorsqu'on est qui bras droit tout il pose un acte en Haïti et next acte va avoir au bas loin corruption non ah. Parce qu'on est que pas cité qui lié avec monsieur. Donc, monsieur fait un coup terrible en Haïti. Et là, monsieur vient faire quoi? Et puis, monsieur vient boire d'autres, monsieur. Ouais. Donc, je n'ai jamais évoqué ça, mais je connais. Ouais. Et nèg ça, c'est une année qui était. Le monde qui prend quoi, c'est une année qui était dans le bataille avant, dans 184. Mm-hmm. Tu me comprends? Ok. Vous suivez, oui, c'est ça. Voilà, donc c'est pour moi. Petit problème. C'est pour moi. Parce que moi, m'excusez. Mm-hmm. Ou à ma baille point de vue moi dans l'émission. Hein? Parce que vraiment, moi pas. Ouais, Smith n'a pas ça. C'est point de vue moi. Parce que moi rencontrer monsieur, je balade avec, etc. Même pas Ouest Smith du tout dans ça. Vraiment, il glisse monsieur dans baille. Ouais, moi-même, moi pense que c'est compréhension. Tout, mais et, de toute façon, je dis à Smith doit comprendre que c'est pays. C'est pas lui-même. C'est des questions de principe. C'est pas sa personnalité, son individu, etc. C'est plus que ça. Donc nous-mêmes, c'est on appelle à la sagesse, encore une autre fois, pour Smith écoutez, démissionner, avant ça, aller plus loin et permettre que transition continue. Parce que Kenyan. Monsolino là, Caprile en moi, gagne une situation économique, sociale, peuple haïtien qui est très difficile. Donc, il est important pour nous commencer à réfléchir à Kyo. Il est important pour nous à réfléchir et comment pour nous finir désormais à question transition ça
en la pays, parce que et si dans le moment ça y a tout désordre qui fait de monde enrichi, agenda qui a implémenté, ce n'est pas agenda peuple haïtien, donc l'important pour gagner une décision qui prend. Est-ce que quelque part on a une certaine déception hein, par rapport à et Smith, Jean le comportait, et est-ce que je dis hein, et nous n'a aidé, nous déçus? Bon, et moi dois reconnaître que gain déception du total en a aidé, du total en a aidé, parce que Jean Garidia, c'est un monde que moi-même l'aime des ministres affaires étrangères de suggérer que le président nommé ambassadeur, et après nous venons c'est lui-même qui a représenté nous évidemment dans CPA. Après madame Dominique Dupuis était fin et by vague par rapport à menace, par rapport à invective, etc., et que le tapé recevoir et qui était fait à son égard, et donc nous même nous pas de penser que représentant nous, on a pris un problème qui fait transition, pas capable, capable de démarrer. Je dis à gagner, on ne marquait pas sous place. Gagner des grands chantiers, depuis M. Sayo participé là-dedans, il y a une fait que c'est des bails qui contesté automatiquement. Donc, ça fait que, et c'est la voie de la sagesse, moi, je crois que c'est un dépassement qu'on fait. Pour monsieur, mais particulièrement représentant et direct compromis pour lui. Darius, rejoignez-nous là et nous et Absalou. Darius, comment ça va? Absalou, mon nom, qui vient de saluer PM Claude et Joseph. Son plaisir pour nous voir matin, l'émission passe. Et n'a pas salué tout le monde qui a suivi, qui a écouté. Et moi, je gagne une question bien rapide pour PM. Oui. Est-ce que décision pour Smith rété malgré demande pour l'autre école dans CPTA, est-ce que le palier au fait que dans ce secteur qui était choisi comme représentant de division? Par exemple, nous avons aidé, nous demandons pour l'autre école, alors que Red Compromis historique, il dit qu'il aurait été solidaire avec. Est-ce que ça palier avec division ça? Bon, on est capable de garder le conseil d'Arius. Cependant, moi-même, moi, crois, il y a un pile mon arrêt que m'habitue de travailler avec eux. C'est des hommes d'État et des femmes d'État. Dans mon compromis, je travaille avec eux, c'est des hommes d'État et des femmes d'État. Moi, je pensais que c'était une question de temps, d'harmonisation sur temps. Moi, je pensais que des hommes et des femmes d'État du compromis historique, des hommes et des femmes d'État de RAID, eh bien, ils ont gagné pour raviser, ramener à la raison et ont harmonisation sur le temps qu'ils vous faites. Peut-être que me demandez ça avant, ils ont même votre COSA, ils ont été chita, peut-être à tort ou à raison, derrière cette question de présomption d'innocence. Et que bonjour Dia et le représentant de Ederet Compromis. Il est devenu inculpé qui tombait sur le coup de l'article 2 et décret 10 et avril là. Donc il fait que, et article ça clair, il dit si vous accusez ou poursuivi pénalement, etc., ou inculpé ou pas capable et non CPA. Or, depuis juridiquement, hein, une fois invité, c'est parti du témoin, dans le cabinet d'instruction, vous êtes un inculpé. Donc, et à ceux, elle dit, nous-mêmes nous faisons constat dans cette lettre qui nous est adressée à ministre Jean-Marc Antoine Berthier, nous est clair, nous dit que situation ça, et devant le cabinet d'instruction, l'y changer. Là, le statut des trois conseillers et par conséquent, ou pas capable, chita, non rencontre avec conseiller. Et m'espérer que l'autre ministre dans le gouvernement, eux-mêmes, ils comprennent la nécessité, dépassement ça, pour dire, écoutez, nous ne pouvons pas
et faire ça au pays. Donc il faut agir. Et le Premier ministre, le coordonnateur du CP, eh bien, ils doivent prendre acte que désormais ils sont invités au cabinet d'instruction et ils sont devenus, n'est-ce pas, des inculpés et ils doivent faire place nette. Parlons de secteur et PM Claude, ou même au sort tout à l'heure, je suis d'accord à 100%, le fait que vous demandez aux représentants l'impôt. Tout la colle dans CPTA son acte de courage. Et est-ce que secteur concerné n'ont pas essayé de discuter entre nous dans la perspective où on seule voix pour nous bailler demander plus force pour nous être capable de joindre, de dire obtenir une cause? Alors, vous suivez, ça fait environ un mois que plusieurs secteurs ont réuni régulièrement à partager préoccupations sur réussite transition. Hein, et comment ensemble ils sont capables d'organiser ou réorganiser pour nous retourner avec l'esprit consensus 11 mars là, accord 3 avril là, parce que écoutez, il y a un véritable coup d'État CPO fait sur accord 3 avril là. Il faut l'admettre. Il y a un coup d'État sur l'accord du 3 avril et que les CP, ils disent c'est eux qui représentent et c'est eux le secteur. Donc c'est un coup d'État sur l'accord du 3 avril. Et l'accord du 3 avril, c'est la loi des partis. Et c'est à loi ça que le Premier ministre, M. Gary Conille, aujourd'hui, doit se référer. C'est à loi ça que les autres membres, entre guillemets, qui ne sont pas impliqués dans des scandales ou bien qui ne sont pas inculpés, je dois référer pour nous faire transition à marché. Donc, pas gagner, c'est une absurdité, et tout le monde qui tendait que CP a parlé de remaniement. Donc, c'est comme si on prend les peuples haïtiens, comme si pour, t'as qu'à dire, véritablement, des monde qui a dormi, qui c'est des imbéciles, pour quitter trois mounes qui inculpés pour aller dire c'est moi qui a baillé ministre justice. C'est moi qui a baillé ministre. Défense, excusez-moi, pas défense, finance. C'est moi qui ai le ministre intérieur. Donc ça veut dire que chaîne sécurité a, et de l'autre ministère qui est responsable de gros chantier, planification. Donc c'est des inculpés qui vont décider dans souci pour être capable de sauver pour eux. Alors, je ne sais pas qu'on insiste, c'est vrai, parce que moi j'entendais ça. Moi j'entendais gagner une des inculpés qui souhaitait gagner le ministère de la justice. Mais c'est du n'importe quoi. Écoutez, et j'ai été inculpé politiquement, faut comprendre, et dans et l'assassinat du président Jovenel Moïse. Dans la négociation politique, je n'ai jamais besoin du ministère de justice. Vous comprenez ça? Pour ne pas dire que je besoin du ministère ça pour capable de vivre. Et aujourd'hui, le commissaire du gouvernement près de la cour d'appel sortit un réquisitoire qui dit, écoutez, ce juge d'instruction, M. Walter, c'était au monde qui t'a pris les affaires pas. Vous suivez? Pas aucun lien, rapport entre les assaillants et l'appelant, à savoir moi-même. Donc, j'ai déjà infirmé l'ordonnance. Le juge demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance me concernant. Écoutez, on dit souvent que la justice élève une nation et que la défaite du droit est toujours provisoire. Je le savais. Mes parents, mes amis, mes proches s'inquiétaient. Mais à aucun moment de la durée, moi-même personnellement, j'ai une inquiétude. Parce que je savais qu'il n'y a aucune façon, si on fait du droit, si on veut effectivement appliquer justice, pour ne pas connaître que je suis le principal, le premier défenseur. Et mon cap mandé travail, pas mandé justice. Qui, dans l'action, c'est grâce à moi-même,
yo arrêté mercenaire yo. C'est grâce à moi-même mon paquet de l'autre monde, yo arrêté. Oui, suis-je un imbécile pour m'impliquer dans un scandale assassinat et puis m'a fait arrêter mon de participer dans tout résident avec eux. Donc je savais que ben ça c'est on jouette. Mais je dis pour nous tourner sur Sandab Dia que moi-même pas de non dynamique pour me influencer la justice en ma faveur. Comprenez que les inculpés veulent un changement de gouvernement, c'est pas pour Haïti. C'est pas pour inefficacité. Le gouvernement, évidemment, il y a des problèmes, il faut que faire des changements dans le gouvernement. Ça. Justement, ça me demande le mandat. C'est pas. C'est pas. Il y a qu'à changer, il y a qu'à changer, par exemple, ministre de la Défense. Il y a qu'à changer ministre de la Justice, ça n'a pas de problème. Il y a qu'à changer ministre de la Finance, ça n'a pas de problème. Il y a qu'à changer intérieur, pas de problème. Mais ce ne sont pas des inculpés qui doivent décider sur l'avenir de la transition dans la chaîne justice, justement, pour qu'on ne son message fort, c'est-à-dire, tant que par une décision qui prend pour écarter, inculper ça dans le conseil présidentiel, là, PM n'a tête coulée à CPTA, il n'y a pas qu'à faire remaniement. Non. Il n'y a pas à supposer. Non, 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 du tout. Il n'y a pas qu'à. Yo, moi, bon, fait. Aucun rapport avec le PM et depuis nos derniers échanges qui n'étaient pas cordiaux, aucun rapport. Et, mais aujourd'hui, je l'interpelle. Demandant de prendre acte du fait que les trois conseillers qui étaient impliqués dans le scandale de corruption, ils ont tombé sur le coup de l'article 2 du décret 10 avril là. Et par conséquent, ils n'ont pas leur place au sein du CPT. Et que moun kap dirige l'État yo au plus haut niveau, yo doué pas prendre acte seulement, mais faut reste la suivre. Faut reste la suivre. C'est-à-dire, si vous êtes invité par le juge, vous devez aller. Et si le juge a mis ton mandat derrière, donc doit organiser l'appareil de l'État pour moun sa yo répondre parce qu'ils sont joignables. C'est-à-dire que, et là, le coordonnateur du CP et le Premier ministre, je ne sais pas qu'à faire aux complices de situation ça. Nous seulement imaginons un scénario que le Premier ministre, je dis, Chita, beaucoup d'inculpés ça. Mais c'est presque fini pour le Premier ministre. Chita, non conseil des ministres, avec des inculpés. Donc, mais le Premier ministre ne peut pas faire ça à la nation. c'est pourquoi nous avons. C'est pourquoi. C'est parce que il y a des politiciens au niveau du CPT qui utilisent le sort de ces individus, qui utilisent la fragilité, la situation de ces individus pour capable régler l'affaire. Mais une fois que fin régler l'affaire, une fois et remaniement ministériel fin fait, gagné et direction générale qui vient prendre. Il y a vous, monsieur, j'étais, oui. C'est utilisé, à utiliser, monsieur, yo. Mais yo connaît. Mais qu'on est à six secteurs, yo quitté. Effectivement, ça a passé. C'est la fin. Qui quitte un mot, qui est bien rapide. Et il est vrai, à plusieurs reprises, là où évoqué l'accord 10 avril, article 2, accord ça, qui dit que si conseil président, les inculpés, il va y en place li dans CPTA. Mais maintenant, dans Chita pas les gagnants pour mettre en place CPTA, est-ce que quelque part, par goyouet glissé, est-ce que un mécanisme qui était clairement mis en place, qui dit par exemple, si on monte dans CPTA, les commettent une faute ou telle autre, comment on a remplacé? L'éclair dans l'accord 3 avril, là qui est la loi des partis. Si il y a un monde
qui commettent un type de corruption, les tomber en contravention avec ACOA et DECREA, secteur qui vont remplacer eux. Mais donc, on y a, qu'a toujours gagné de subterfuges de politiciens qui ont joué pour bagarre la catomie en faveur. Mais ce qui est important pour nous-mêmes, au niveau de aider, ce n'est pas de remplacer Smith Augustin. Ce qui est important, c'est jouer au rôle, non pas devant l'histoire. C'est ça qui est important pour nous. Nous demandé M. Smith démissionner. Nous écrit pour nous faire ça. Nous chita avec des acteurs nationaux et internationaux pour nous faire deux modes de droit pour nous acter. Jodi a gagné, ils sont inculpés, désinculpés dans la question ça. Donc nous-mêmes nous attendons. Nous pas pour nous aller dans la ville, pour nous aller, nous pas force ça. Nous avons toujours référé nous à la loi. L'accord du 3 avril, le consensus du 11 mars, décret 10 avril là, qui clair sous article 2 d'ailleurs, il est clair, il dit autre dispositif, ou bien, disposition constitution 80 et constitution noire, depuis ou inculpé, depuis ou en bas sanction l'ONU, depuis ou poursuivi ou accusé, il y a un sens dans le droit, mais depuis ou poursuivi pénalement, ou pas capable en dans CPA. Donc voilà. Et c'est là nous je dis. Et l'important pour nous situer demande, approche et DIA dans perspective qui est plus grande. C'est plus grand qu'un conseiller, que les trois conseillers. C'est une volonté de contribuer à la réussite de cette transition. C'est de nous placer comme acteurs responsables qui gagnent un rôle historique qui incombe à nous-mêmes. C'est pour nous faire que transition ça dans une démocratie depuis 1986 n'a fait que ça, la dernière, véritablement la dernière transition. C'est pour nous permettre que la transition réponde à préoccupations de bien-être légitime peuple haïtien. C'est pour nous faire que la transition ça résoudre problème insécurité qu'a ravagé Bill peuple haïtien dans Solino, dans Matissan, dans Cafoufeuille, dans Croix des Bouquets, dans Gantier, Verrette, dans Gonaïve. Scoop. Non, pour sonder. 107.7 FM stéréo. C'est un souci, ça. Scoop. Pour nous comprendre, en perspective, ça, pour nous comprendre. Position aidée en la crise. Nous sommes toujours. Nous nous plaçons toujours. Du bon côté de l'histoire. Donc, rôle l'a joué à son rôle historique. Nous comprendre cette charge historique qui soutient nous. Donc c'est pour ça que je l'ai adressé moi avec ces conseillers inculpés et particulièrement le représentant de EDI. Nous savons pertinemment que au pays au monde qui gagner pratique ça. Nous va connaître ça. Ou faire un passé, République dominicaine comme ambassadeur, honorable. Honorable. Et c'est au nom de l'histoire ça que vous gagnez, parcours vous gagnez, vous avez choisi comme CP. Je dis à mauvaise compagnie, vous trouvez dans un mauvais endroit, dans un mauvais moment, vous pouvez inculper dans un dossier de corruption qui mettait transition sous pause. Je vous demande un dépassement.
Je vous demande une réflexion et de placer intérêt pays au-dessus de tout ça où il est commun. Quitter la justice, faire travailler, démissionner pour le bien du peuple haïtien, pour le bien de la transition, pour le bien d'Haïti. Et tenant compte du comportement des acteurs, c'est là qui détenteur pouvoir et qui pas attendait les cris de la population, qui pas connaît que mon a couru dans Port-au-Prince sans yo pas connait qui côté au aller, insécurité a problème n'a pas qu'à résoudre, mon yo toujours et cloîtré la caillou, mon yo pas qu'à manger, mon yo pas qu'à voir mon yo l'école. Donc là on regarde comportement ça. Pour regarder par exemple et CPA qui nous monde et gouvernement dans monde parle, est-ce que transition n'est pas risqué échouer? Bon, et permettez que je fasse appel au bon sens, au patriotisme des acteurs, des autorités de la transition. Moi déjà adressé inculpé au mandé au profond dépassement. Permettez que maintenant je m'adresse au Premier ministre Gary Conille, à son gouvernement et aux membres du CP qui ne sont pas inculpés. Je leur dis, écoutez, c'est un tournant décisif, important dans notre histoire. Soyez des acteurs responsables. Pratiquez l'entente, l'harmonie et l'unité. Le pays en a besoin. C'est le moment pour nous montrer que nous sommes capables de dépasser question d'ego, des ambitions, scoop personnel, et mettez PIA au-dessus. Mettez PIA d'abord. Moi, quoi, et rapport que je gagne à chaque membre dans CPA, ou bien ça me cultivé avec le Premier ministre, et ils sont capables de faire ça. Et moi-même, différence que j'ai à chaque monde, ça a eu, différence politique, et ça s'arrête là. De divergence, façon où est différent, ça s'arrête là. Et ces pays-là, moi, passé pour nous mettre devant, je le dis. C'est Haïti d'abord. Donc j'appelle, c'est un appel solennel aux autorités de ce pays de comprendre qu'on doit se mettre ensemble pour sauver la transition. C'est un processus transitionnel très fragile, on doit l'admettre. On doit l'admettre. C'est très fragile, donc nous avons besoin des hommes et des femmes responsables pour ce dépassement et pour sauver la transition. Quitter pour une fois, en dépit de toute contradiction avec certains de ces acteurs, vous me dites que je suis un peu optimiste quant à leur capacité de faire ce dépassement. Haïti débat. Scoop. Parce que nous pas qu'à descendre Biba, je tiens. Il faut éviter toute tentative de mainmise sur l'appareil de l'État. En profitant de la situation fragile, de la situation fragile de ces
conseiller inculpé. Il faut éviter ça. Et c'est pourquoi nous autres, au niveau de aider, nous avons fait tout ça capable pour ne pas quitter aucun secteur, profiter de la situation fragile, situation judiciaire fragile de ces trois conseillers, pour faire mes mises au pouvoir, pour le faire remaniement, prendre toutes les directions générales, prendre les délégués départementales, etc., les magistrats, etc. Nous n'allons pas, nous n'allons pas quitter sa fête. Donc, l'appel solennel est au chef, son appel qui fait à l'endroit du chef du gouvernement, M. Gary Conille, pour nous dire que il y a une responsabilité historique, même gens avec des membres de CP qui pas inculpés, il y a des responsabilités historiques pour l'organiser le plus rapidement possible, la mise à l'écart des conseillers inculpés. Scoop. Ah, Marconi qui s'agarit, Koni, pas le faire, monsieur le Premier ministre, monsieur le coordonnateur, vous comprenez que vous êtes devenu coordonnateur à la faveur de cette situation judiciaire fragile. Vous écoutez, il n'est pas trop tard. Il faut faire quelque chose d'organiser le chef du gouvernement et reste CP qui était là, l'organiser le plus rapidement possible la mise à l'écart de ces trois conseillers. Cette question de remaniement ministériel avec trois inculpés qui a demandé ministère de justice, qui a demandé ministère de finance, qui a demandé ministère intérieur, investi le CSPN, c'est continuer, consolider ce coup d'État contre l'accord du 3 avril, que CPI a bail. Il faut l'admettre. Il y a un coup d'État orchestré par le CP contre l'accord du 3 avril, qui est la loi des partis. Vous suivez. Donc aujourd'hui, il revient au secteur qui a participé dans ce consensus du 11 mars et qui ont signé, malgré leurs divergences, n'est-ce pas, l'accord du 3 avril, donc il revient à ce secteur, de se mettre ensemble contre la consommation de ce coup d'État contre la loi des partis et de sauver la transition. C'est notre préoccupation. Notre préoccupation, ce n'est pas de discuter d'un poste de ministre, d'un poste... Non, c'est pas ça. Moi, t'es témoin, acteur de à quoi ça, toute divergence qui t'est gagnée, vous le faites. Nous ne pouvons pas accepter. Et, nous avons une bataille que nous avons fait. Et, bon, peut-être, une petite anecdote. Scoop! Il y a une raison, il y a été venu à l'article 2, dans le décret 10 avril là. Il y a une raison, c'était pour moi, oui. Pour qui ça? Eh bien, pas oublier que j'ai été inculpé. Ah oui, c'était pour moi. Parce que, il a dit, il n'a pas quitté, aider, en dans le processus à très fond, aider à participer pour le voir représentant, il n'a pas laissé Claude, vous voyez. Donc, il a mis, regarde, fou ça, il a mis, article ça, pour yo dire sous inculpé, sous gagnon poursuite pénale. Ça c'était pour barrer ou? Pour débarrer. Et je dis ah. Bah là tout d'un coup. Je dis ah. Donc on va pas faire de géométrie variable. D'accord. Monsieur est tombé sur le coup de cet article. Scoop.
Je demande au Premier ministre, je demande au Premier ministre de prendre acte et d'agir en conséquence. Non, nous allons finir, mon nom. Nous allons finir. De manière suicide, PM. Est-ce que ce problème, ça, l'irrité? Ça veut dire si trois inculpés, ça, on a CPT, on n'a pas écarté. Est-ce que l'idée, on va prendre l'élection avec CPT, ça? Non. Pas gagner un café dans CPT, ça. Non, pas gagner un café. Il faut nous pas l'irrité, non. Pas gagner aucune illusion. D'ailleurs, l'idée qui est en point de vent, l'immandé ministre par le gouvernement, vous ne pouvez pas participer à aucune rencontre avec les inculpés. Mais écoutez, on est 107.7 FM. En tout cas, je vous remercie nous et pour l'émission. Et merci pour ça nous fait pour PIA, pour travail. Chaque matin, nous décidons d'informer les Haïtiens sur l'actualité politique et les perspectives. Merci à pile. Merci. Haïti débat. Haïti débat. Moi, j'ai la certitude que personne ne sait dans ce pays. Voilà comment je commencerai ce matin. L'autre édito. Il y a tellement de paramètres insaisissables. Comment oser prédire?